Le numéro inédit de Capital présenté par Julien Courbet ce dimanche 16 juillet est consacré à la guerre des plus beaux villages de France. L'un d'eux est fièrement représenté par un certain Patrick Sébastien. Ville et villages fleuris, station verte. Les labels mettant en lumière les communes les plus remarquables de France se multiplient partout sur notre territoire. Capital, le magazine présenté par Julien Courbet, a décidé de s'y intéresser ce dimanche 16 juillet dès 21h10. On y apprend notamment que le processus de validation d'une commune est parfois compliqué, notamment pour le renommé label Plus beau village de France. Pour obtenir le précieux sésame, il faut respecter une trentaine de critères mais aussi débourser entre 1200 euros pour les communes de moins de 300 habitants et jusqu'à 4800 euros par an pour les plus peuplées. Après un premier échec, Martel, dans le Lot, est parvenu à décrocher la précieuse distinction. Patrick Sébastien vante les qualités du village de Martel dans Capital sur M6. La petite cité médiévale de la vallée de la Dordogne va certainement voir son nombre de visiteurs grimper en flèche après l'obtention du sésame, mais ce n'est pas le seul atout sur lequel elle peut compter. Dans un extrait que Télé Loisirs vous propose de visionner en exclusivité en tête de cet article, une séquence Capital est consacrée à la visite surprise de Patrick Sébastien. L'animateur emblématique du petit écran fait les présentations avec le maire Raphaël Daubet qu'il connaît bien, qu'il vit dans son village depuis 1978. Ici, il déambule dans les ruelles et les places où sont organisés des bals tous les mercredis. Je suis attaché au patrimoine, aux valeurs réelles, pas aux valeurs artificielles, affirme-t-il. Patrick Sébastien évoque sa mort et son enterrement dans le cimetière de Martel dans la cité qui vient d'être labellisée. Un commerçant propose des t-shirts et souhaite avec un flocage Martel University. Patrick Sébastien, qui a à cœur de faire la promotion de son village préféré, s'est d'ailleurs déjà présenté avec un vêtement de cette marque dans un studio de télévision. J'avais promis que j'irais chez Hanouna avec ça. Et j'ai tenu ma promesse, j'ai fait tout le plateau avec ça, s'amuse-t-il. Preuve de son amour indéniable, l'animateur souhaiterait que Martel devienne un lieu de pèlerinage un peu spécial. Je viens d'acheter la concession de ma tombe à côté, dans le cimetière de Martel. Je me dis que plein de gens viendront dans le village, iront voir les commerçants. Si est-il rendre à mon village ce qu'il m'a donné, s'émeut-il.